Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Jackie Diamonds. Alors aujourd'hui, une vidéo où je vous montre mon stock de toiles action. J'en ai déjà vendu pas mal de toiles action, mais donc il m'en reste quelques-unes en stock qui, elles, par contre, je vais les faire au cours de l'année. Et je vais même faire un duo avec Nanou. Donc on n'a pas encore choisi notre toile, mais bon, dès qu'on l'a choisie, je vous la montrerai. Et puis si vous voulez la faire avec nous, il n'y a pas de souci, vous mettrez. Sous la prochaine vidéo où je vais présenter le duo, vous me mettrez si vous voulez faire ce duo avec nous. Ce sera un trio où on fera 4, 5, 6, comme vous voulez. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez claire dans mes explications. Je ne sais pas, j'ai un gros doute, c'est pas grave. Donc on y va. Donc je vous montre ce que j'ai. Alors, on va commencer par la toute première. C'était une toile que j'ai eue l'année dernière. Si je ne me trompe pas, c'est ma petite Ophélie qui me l'avait envoyée. De Belgique. Voilà, celle-ci. Alors, je ne vais pas tout vous ouvrir, hein, c'est pas la peine, mais je vous montre comme ça. Oui, elle est encore emballée et tout. Je ne vais pas tout vous montrer, ça ne sert à rien. Donc, du coup, je vous montre quand même mon petit stock. Donc, celle-ci, c'est une 30 par 40 cm. Elle est vraiment, elle est très, très, très belle. Enfin, j'aime beaucoup tout ce qui est animaux, tout ce qui est félin. Et là, de le voir de cette couleur comme ça, très 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 coloré, très arc-en-ciel. Moi, j'adore. Je vous fais bouger, excusez-moi. Voilà pour la première, donc ce chat. La deuxième, eh ben, nous avons un gros matou, un tigre. Pareil, un idem, je le trouve vraiment magnifique celui-ci. Donc 30 par 40 cm. Voilà, ce sont que des diamants ronds. Celui-là, il est vraiment superbe. J'aime beaucoup. J'en ai déjà fait un. Hein. J'ai fait un jaguar qui était en 40 par 60. Splendide. Franchement magnifique. Je ne l'ai pas encore remis. Je ne l'ai pas encore encadré. Remis en fait sur mes murs depuis le déménagement. Mais voilà. Donc celui-ci par contre il est très très beau aussi. Dans les animaux on va continuer. Alors celui-là. Waouh. Superbe. Franchement un caméléon comme ça. Alors je ne me rappelle plus trop. Je vais l'ouvrir. Celui-là, je vais l'ouvrir parce que je ne me rappelle plus trop comment il était. Ah bah, j'ai tout laissé comme ça. Bah, c'est bien. C'est bien, j'ai pas l'emballage plastoc, j'ai rien. Ah, celui-là, il était beau. Hein. Celui-là, il me plaisait bien. Oh, ouais, hyper coloré, hyper coloré. Hein. Si mes souvenirs sont bons. Ah oui, les diamants sont super beaux. Magnifique couleur. Diamants ronds aussi. Et donc, j'ai des gros diamants spéciaux. Dedans, il faut juste que je les trouve. C'est du 27. Je ne sais pas où ils sont. Bah alors. Ils ne trouvent pas. Alors. Les diamants spéciaux, ils sont où? Allez, voilà, j'étais cachée. Voilà, donc j'en ai trois. Voilà, ces couleurs sont vraiment superbes. Donc voilà, ils vont aller ici, tout le long là. Ils vont aller un peu ici, ici aussi. Voilà, franchement, mais celui-là, le caméléon, oh, il me plaît fortement. Vraiment, très, 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 très jolie toile de chez Action. C'est sûr, c'est pas du Oraloa, on est d'accord, mais pour des toiles à ce tarif-là, je trouve que la qualité est plutôt pas mal. Allez, je remballe ça et je vous montre la suite. La suite, on continue par les animaux. Alors celui-là, je ne sais plus si je vous ai fait l'unboxing, il me semble que si, je ne m'en rappelle plus. Des zèbres, je crois que je vous ai fait l'unboxing de celui-ci. Oui, je l'ai fait parce que j'ai retiré le plastique. Sympa aussi les zèbres. Vraiment sympa aussi. Vraiment, ouais. Tout simple, hein, 30 par 40 cm. Voilà, donc les... oui, je vous ai fait l'unboxing et je ne vous ai pas ouvert les diamants. Ouais, voilà. Très très sympa, celui-ci aussi. Il me plaît beaucoup. Hop, je remballe. Alors les animaux, donc j'ai presque fini. Je vous montre, il m'en reste un. Un 40 par 60 cm. C'est vrai que j'en avais plein. J'avais des éléphants, j'avais plein de choses, mais je les ai vous avez revendus. Je remballe hein, la chose. Alors, animaux. Donc, il me reste celui-ci.
renard qui est juste sublime en 40 par 60 cm. Alors celui-là, ouais, il était vraiment trop beau. J'ai laissé en plastique. Non, j'ai retiré le plastique. Très 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 haut tonal. Il est beau. Hein. Voilà. Il est vraiment sympa. Voilà pour celui-ci que j'ai gardé. Celui-là, je l'avais offert à Didine quand je suis allée la voir chez elle. Hop, je renferme. Voilà. Donc c'est tout pour les animaux. Donc les animaux, j'ai le zèbre, j'ai le renard, le caméléon, le tigre et le chat qui est beau. Hein. Je me demande s'il n'y avait pas un lion comme ça aussi. Voilà. Ensuite, j'en ai deux de Noël qui me restent. Noël l'année dernière. Donc celui-ci. Et Noël de cette année. Celui-ci. J'en ai fait un Noël cette année. L'année dernière, je ne les avais pas fait. Donc 30 par 40 cm. Je ne vais pas vous les ouvrir, ceux-là. Je les ferai l'année prochaine. Enfin, à la fin de l'année plutôt, puisqu'on est déjà en janvier. J'en ferai au moins un des deux. Voilà. Ça, c'est Noël. Et il m'en reste deux. Alors, ce sont des... Alors, je ne sais pas dans quoi les mettre. Paysage, peut-être. Oui, pour la Tour Eiffel, on va dire paysage. Et la voiture. Et la voiture que j'ai trouvée. J'ai trouvé vraiment super, cette voiture. Bon, c'est pas une Ford, hein, mon chéri. Et la Tour Eiffel, que j'aime beaucoup. Je remercie beaucoup Nanou, parce que c'est Nanou qui me l'a offerte. Et celle-ci, je l'ai trouvée par hasard, dans une action, par hasard. Il était tout seul, le pauvre, il est perdu. Et j'ai trouvé vraiment superbe. Donc la Tour Eiffel, et ben moi j'ai... Okay, je vais vous la montrer. Je la trouve sympa. Oups, vous tombez avec moi. Je la trouve vraiment sympa. Elle a l'air un peu pixelisée certainement, oui certes, mais je la trouve vraiment sympa. Après, ce sont des diamants ronds, hein, comme d'hab, il n'y a pas de souci là-dessus. Et je pense qu'elle peut aller vite à faire. Voilà. Avec un multiplaceur. Voilà. Voici donc pour la Tour Eiffel, qui est plutôt pas mal. Alors, je vais refermer ça tout de suite. Et je vais vous montrer la petite tuture. Hop. Donc, ça n'est pas beaucoup. Hein. Ça m'en fait 9, je crois, des fois l'action. On va compter après. Et la petite tuture que j'ai trouvée, je l'ai trouvée très très bien aussi. Et dans la tuture, il y a des cristaux, je crois. Si je m'en souviens bien, il y a des diamants cristaux. Voilà, ah oui. Regardez, ceux-là, là. Je mets à l'envers, je mets à droit. Il y a des petits diamants, là, ici. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Assez sympatoche. Et vraiment, elle est sympa aussi, celle-ci. Cette petite tuture. Donc voilà, pour les toiles Action que j'ai en ma possession. Voilà, une petite 9, je crois. On va compter ça ensemble. Et donc, il y en a une parmi celles-ci que je ferai en duo avec Nanou. Donc, si vous voulez nous suivre, il n'y a pas de souci. Je vous dirai laquelle on va prendre. À la rigueur, je vais attendre qu'elle me réponde pour terminer cette vidéo. Et puis, comme ça, ben, je vous dirai à la fin de la vidéo laquelle on a choisi. Et si vous voulez, en fait, la faire avec nous, il n'y a pas de souci. Voilà, je vous montre encore un peu tout ce que j'ai en toile Action. Pouf. Allez, je vous monte. Et voilà mon petit stock. Donc, il y en a bien 9. Ben, j'ai oublié un kit quelque part. C'est pas grave. Ben, je vous remercie beaucoup. Et puis, ben, à tout de suite hein, pour savoir à laquelle toile nous avons choisi. Donc, voilà. Nanou n'a pas les mêmes toiles que moi. Donc, c'est absolument pas grave. Donc, du coup, on a décidé... qu'on prendrait chacune une toile différente. Donc moi je prends une 30 par 40 et je prends celle-ci. Donc ce caméléon qui me plaît énormément, qui a, il y a également pas mal de couleurs dessus, donc je vais vraiment le faire. Voilà, donc je ne sais pas encore comment on va vraiment s'arranger. Est-ce qu'on divise la toile en 6, en 9, en 12 ou voilà. Mais en tout cas, moi j'aimerais bien faire une partie toutes les deux semaines. Voilà, prendre deux semaines pour faire une partie. Dans le sens où ben, ça nous permet d'avoir du temps aussi pour nos autres projets.
Donc voilà, et ben écoutez, je vous remercie beaucoup, 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 beaucoup de me suivre sur ma chaîne Jackie Diamonds et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye et portez-vous bien.